de retour dans Hyperlink avec un petit changement, nouveau sujet, nouveau plateau. Donc le on twist. On va saluer les nouveaux. Elisa, bonjour Elisa. Bonjour. C'est plaisir de t'avoir en plateau. Bah oui, moi aussi. Et à tes côtés, Charline, nos deux, bonjour. Deux producteurs qui viennent nous parler d'Annecy. En face, on a les survivants de la semaine à Annecy. Damien, ça fait plaisir aussi de t'avoir en plateau. Hein. Damien, je suis moins crevé que ce que je croyais. Je crois que c'était à peu près le mot d'ordre de cette semaine. Et toi, Cédric? Oh bah moi je peux pas être comme Damien, je peux pas manger une madeleine et redémarrer le processus, mais ça va quand même. D'accord, le sujet est vaste, donc on va commencer tout de suite. C'est parti pour le débrief d'Annecy. Ça va être tout noir. Ta gueule. Alors Annecy, vous êtes revenu aujourd'hui d'Annecy, le festival s'est terminé hier et hier soir il y avait la remise des prix. Karel, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce qui s'est passé? Eh bien oui, en remise des prix, on a eu pas mal de... Bon déjà, il faut rappeler, la sélection était assez vaste, hein. Cette année, la thématique c'était le Japon. On va se concentrer sur trois prix parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et beaucoup de news, beaucoup d'informations sur cette émission. On va donc se concentrer sur d'abord le cristal du meilleur film, du meilleur long métrage, à savoir donné à J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, produit par le studio Xilam, par Marc Dupont-Avis. Standing ovation incroyable, on était à la projection. Je crois que ça a duré tout le générique de fin et 10 minutes après. Ouais. Voilà, vraiment grosse ovation. 5 à 10 minutes d'applause, je pense, facile. Mm-hmm. Bon, après, parce que c'est un film français, donc forcément, si tu regardes la salle, c'était français. Tu regardes la salle bosser chez Xilam, donc il y avait quand même un côté, on est content d'avoir terminé avec ça. Mais le film est quand même très bien, il le mérite. Rappelons que c'est un film qui s'est fait dans la douleur, qui s'est fait pendant 7 ans, personne n'y croyait, et Marc Dupont-Avis, ce producteur chez Xilam, a poussé le film en disant... bravo, bel esprit. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, Marc Dupont-Avis a fait confiance à Jérémy Clapin, qui jusqu'ici n'était qu'un réalisateur de court-métrage, qui n'avait pas eu de long-métrage à son actif. Et ce savoir-faire du court-métrage porte ses fruits dans le film. Justement, il y a une très bonne hybridation de la grammaire du court et du long. Et du coup, on suit l'histoire d'une main qui a littéralement perdu son corps et qui va partir à la recherche de celui qui a perdu sa main, en fait. Et donc on va retracer toute l'histoire de cette personne et qu'est-ce qui l'a amené à perdre sa main sur deux temporalités différentes. Et plus la main va se rapprocher du corps, plus elle va se rappeler de qui elle était avant. Et tout ce pitch là est traité avec une science du montage entre le passé et le présent, différentes cadences d'animation. C'était Famille Adams Origin, la chose, quoi. Tu me la piques, mais je te la concède. Mais effectivement, film très 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 émouvant, qui se passe dans les années 90 en plus, donc que du bon, et en plus il y a du rap français. Quoi d'autre dans les Très très rapidement, donc on a eu en contre-champ, donc il y a la nouvelle sélection, nouvelle catégorie de prix. Qui récompense donc des films atypiques, qui défendent des nouvelles façons d'animer, qui défendent des nouveaux regards sur l'animation. Cette année, le prix a été donné à Away. Voilà. C'est le premier gagnant de ce prix. C'est le premier gagnant de ce prix, tout à fait. Away, film en CGI, du coup. Qui a une particularité. Je te laisse la donner, du coup. Particularité, c'est quand même qu'il n'y a qu'un nom au générique. C'est un monsieur, un homme qui a fait ça tout seul pendant 5 ans de mémoire, non ? Au moins 5 ans. Ouais. Au moins 5 ans. Au moins 5 ans facilement. Et du coup, ça crée une vraie, vraie, vraie polémique parce que le film n'est pas très, très beau visuellement. Et à côté de ça, dans la sélection, il y avait d'autres films qui étaient quand même plus jolis. Ouais. Et surtout, il y avait, on en reparlera, je pense, on va en reparler plusieurs fois, mais il y avait Les Enfants de la Mer. un des films d'animation qui va bientôt sortir en salle, qui sort cet été en salle, le 23 juillet de mémoire. Les Enfants de la Mer. Les Enfants de la Mer. Non, il sort le 10 juillet. Les Enfants de la Mer, un très bon film, on en reparlera après. Mais du coup, ça a posé une grosse polémique parce que beaucoup de gens s'attendaient à ce que ça soit ce film-là qui gagne la sélection. C'est Limbo qui a gagné. Elisa. Non, je disais que c'est la performance personnelle qui a été récompensée. Je pense que c'est ça. On est sur une sélection un peu type un certain regard à Cannes, en fait. Ouais. Je pense. C'est un premier prix, donc après, c'est vrai que c'est peut-être un peu flou pour l'instant de la façon dont qui est-ce qui est légitime à recevoir ce prix. C'est un peu ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens se targuent que le prix est gagné parce qu'il l'a fait tout seul et que c'est pas très beau, mais mine de rien, il y a une grammaire cinématographique, le film est muet, il compense ses handicaps par des vrais
qualité. Mais à côté, tu avais des films comme, bah, malheureusement, Les Enfants de la Mer, qui est assez dingue visuellement à plein de niveaux, qui est un très bon film. Et donc, surtout, personne ne comprend vraiment ce que le film faisait exactement dans cette sélection. Et bah, on se demande un peu quels sont les critères de sélection de cette catégorie. Mmh. Bah, c'est ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'on ne comprend pas trop ce que font ces deux films dans la même sélection. Et à partir du moment où tu pars sur l'idée que tu vas récompenser quelque chose d'un peu marginal comment elle s'appelle la sélection Contre-champ. Oui, contre-champ, pardon. C'est étrange de mettre à ce moment-là Les Enfants de la Mer, alors que c'est quand même un festival d'animation, tu es sur des images qui sont incroyables, et si tu veux vraiment aller sur quelque chose de plus marginal, alors tu le mets dans la sélection. On va principale, pas spoiler Les Enfants de la Mer, mais il a quand même un côté très, très spé. La dernière partie du film, surtout, elle peut perdre les gens facilement. Accrochez-vous. The End of Les Poissons. Voilà. En un mot, le cristal d'honneur. Ah, juste avant que le cristal d'honneur, sera réalisé par Gins Zilbalodis, le film. Très bien. Oh, ouais. Voilà. C'est un laiton. Et bah, le cristal d'honneur cette année a été remis à Jean-François Laguioni, un des plus grands animateurs français encore vivant, et pour son nouveau film, enfin c'est pas que son nouveau film, pour l'ensemble de sa carrière, mais en même temps il venait présenter son nouveau film Le Voyage du Prince, qui était terminé une semaine avant Annecy. Ils venaient de le boucler, ils se sont speedés de le terminer pour le présenter. Et Jean-François Laguioni, il a fait pas mal de films. Moi, je retiens surtout le film qui m'a marqué enfant, qui était Le Château des Singes, dont Le Voyage du Prince est une suite spirituelle, donc j'étais encore plus content. C'est et vrai, toi, tu m'avais dit que tu connaissais plutôt bien. Le Château des Singes, moi j'adore. Après, j'aime beaucoup ce que fait Laguioni de base. J'ai pas encore vu Louise en hiver, mais moi j'avais beaucoup découvert avec Le Château des Singes et Le Blackmore au début, début des 2000, si je dis pas. 2004, Blackmore. Ouais, 2004. Mmh. Voilà, on a vu là rapidement qui a été récompensé. À titre personnel, est-ce que rapidement, hein, une chose qui vous a plu, donc un coup de cœur, une déception. C'est vrai. Un coup de cœur, il y en a pas mal. Alors, il y en a deux très vite. Il y a Anime Tamago, qui est une petite sélection de courts-métrages que j'ai trouvé vraiment très sympa, très frais, sans prétention, très rafraîchissant. Et dans le même cas, je dirais un autre gros coup de cœur, c'était Ponoc, qui montrait des nouvelles facettes du talent de leurs différents animateurs et qui ont prouvé que l'animation japonaise, on va dire pas traditionnelle, mais à la manière de Ghibli, si on doit vraiment mettre les pieds dans le plat, n'est pas complètement finie et qui propose une nouvelle alternative très intéressante. Et en déception, il y a une grosse déception. J'aurais pu dire Promare pour énerver Damien on et Pierre qui n'est pas là. Les amis. Mais non, c'est le Keiichi Hara, c'est Wonderland de Keiichi Hara. C'est un réalisateur que j'adore et ce film, c'est une catastrophe industrielle. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais. J'ai la même déception. C'est problématique. Damien, c'est la même déception. Ouais, Birds of Wonderland, c'est une catastrophe. Je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que Wonderland, c'est vraiment un film compliqué. Apparemment, on avait pas mal discuté avec nos confrères d'Animeland qui me disaient que la production du film en elle-même a été compliquée et que le rôle de Keiichi Hara en tant que réalisateur n'est pas si évident que ça en fait. C'est même pas un bon isekai en plus. On a dit que c'était fini. Ça serait surtout un film de commande, mais il a l'air, même Hara en interview, de toutes les interviews qu'on a vues, a l'air d'être un peu là. Un peu de positif, des coups de cœur là, s'il vous plaît, histoire de. Promare! Il n'est pas en sélection. On l'a dit en sélection. En sélection, Underdog m'a vachement étonné, pour le coup. Genre, il n'y a pas beaucoup de monde qui était content de le voir quand je voyais les gens en salle sortir. Ils étaient là, ouais, c'est pas très joli. Mais en vrai, l'histoire est très très chouette. C'est assez touchant. C'est distribué par Joker Film, c'est chez nous. Donc on va la voir en salle normalement. Hein. Et franchement, effectivement, visuellement, ça a une tronche un peu bizarre. C'est un film coréen. Mais ça vaut le coup d'aller le voir, en famille ou pas. Très bien. Bah moi, mon coup de cœur, moi c'était mon favori pour le cristal, mais il ne l'a pas eu. Mais c'était quand même un très très grand film. Il sort en janvier 2020. C'est L'Extraordinaire Voyage de Marona, qui est un film donc Kadamian, donc franco-roumain, qui raconte l'histoire d'un chien qui vient de se faire écraser, qui fait en fait revivre toute sa vie en fait. Magnifique. C'est un film ultra badant. Les films cette année, globalement, ce sont des films méga badants. Hein. Ce sont que des films sur l'acceptation de la mort de quelqu'un, sur l'abandon, sur. Enfin, vraiment, la sélection était archi hardcore sur les thèmes cette année. Après, c'est badant. Mais visuellement, c'est quand même très coloré. Ah, visuellement, c'est incroyable. Tu peux faire des belles choses avec un chien qui se fait écraser. C'est-à-dire que le médium animé est exploité vraiment comme vecteur de caractérisation. C'est-à-dire que dès le premier plan, là on pourrait te montrer en te suggérant hors champ un chien écrasé avec une voiture ou alors carrément te montrer le chien avec les tripes sur le sol. Là, on va te montrer le chien dessiné à la craie sur le bitume pour te montrer qu'il n'existe plus, qu'il n'est plus là. Et après, il va se réanimer avec un trait plus concret, avec du pastel. Enfin, t'as plein de jeux de raccords, de changements de décor, etc. Comme des feuilles, les immeubles sont comme des feuilles qui se déplacent et tout. C'est vraiment incroyable techniquement.
Donc vraiment, c'est un film qui m'a bouleversé. Bon, c'est la PLS en revanche, hein, je vous préviens, vous allez, vous, pas en, vous êtes pas bien en sortant de la salle, mais c'est vraiment un très bon film. Sinon, bah, sur les mêmes thématiques, sans trop en dire, Ride Your Wave, dans un registre plus léger, de Masaki Iwasa, donc l'histoire d'une surfeuse qui a un copain pompier, et le copain pompier, bah, il va mourir et il va se spoiler. Alors là, pour le coup, c'est pas le un spoiler pitch. De... Ouais, mais c'est pas mais un spoiler c'est le pitch. De YouTube, on s'en fout. C'est marqué sur dossier de presse. Mais c'est pas possible, mais personne ne sait faire des résumés sans spoiler. Ok, ok. Bon, bref, et c'est la forme de l'eau, mais avec des couleurs beaucoup plus jolies, beaucoup plus pimpantes. Bon, et voilà. Le tout, on a parlé voilà. de. Ouais, à la fois ils meurent tous, voilà. On a parlé des prix qui ont été remis. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a aucune œuvre japonaise, alors que pourtant le Japon était quand même à l'honneur, Charlie, de cette édition. Non, c'est. Ouais, bah oui, après dans les grosses sélections, le film qui était vraiment attendu, c'était Les Enfants de la Mer. Et donc c'est voilà, à partir du moment où il gagne pas contre-champ, il restait pas beaucoup de films en compétition japonais. C'était surtout sur les compétitions annexes. Donc, bah, disons. On est en France, c'est les Français qui gagnent, c'est tout. C'est ça. Alors, c'est la conclusion d'Alcide. Sébastien, tout malade qu'il est derrière la vitre, on lui fait plein de bisous. Peut-être nous rejoindra-t-il en plateau. Peut-être. Allez, viens, voilà, il fait chaud, pas. On est bien. Non, mais je suis d'accord. Hein, moi, les productions japonaises cette année, même si elles étaient nombreuses, on avait The Relative Worlds, on avait Radio Wave, on avait Les Enfants de la Mer et Wonderland. Quatre, quand même, films assez conséquents. Bah, malheureusement, le niveau était pas là, ou Radio Wave, c'est pas le meilleur Iwasa par exemple. La question qu'on peut se poser, c'est que Annecy a expliqué que cette année c'était le Japon à l'honneur parce qu'il y a 20 ans c'était déjà le Japon à l'honneur, ouais. C'est histoire de boucler la boucle. Mais il y a 20 ans, les films qui sont sortis c'était Princesse Mononoke, enfin c'était quand même des films qui avaient un énorme calibre quoi, qui te foutaient des claques dans la tronche. Alors est-ce que l'animation japonaise a pas vraiment chuté? Ce qui est un signal d'alarme qui est tiré depuis des années par plusieurs animateurs, plusieurs réalisateurs. Oui. Alors, c'est des papis principalement, hein, les Leiji Matsumoto et les Miyazaki. Anime was a mistake. Mais voilà, Anime was a mistake. mais voilà, enfin, il y a une vraie question qui se pose, surtout sur le concept même de culture de l'animation, comment elle se traduit encore au Japon, même de culture otaku. Est-ce que c'est finalement tout le temps une si bonne chose que ça ou pas? C'est des vrais débats qui peuvent se poser. C'est la joie, Annecy. Charlie. C'est qu'en plus, du coup, c'était pour ça que Annecy cette année c'était aussi important pour le Japon, parce que justement, ils sont un peu en perte de vitesse au niveau de l'animation, et c'était une occasion, une perte de vitesse relative, hein, on s'entend, ça reste le Japon, mais c'était aussi l'occasion de remettre un coup de visibilité à l'international, et pour le coup, du coup, c'est un peu raté. Et c'est les Français qui ont eu le plus de gros prix, oui, mais ils avaient aussi beaucoup de favoris, donc c'est pas non plus très étonnant. T'as quand même Ponoc, il y a eu l'annonce que Ponoc allait faire quelque chose avec les Jeux Olympiques, enfin, il y a quand même eu des trucs pour remettre le Japon et l'animation japonaise à l'honneur mondialement. Pas non plus, on les a pas amenés juste pour se foutre de leur gueule, quoi, mais c'est vrai que... C'est dommage que ça arrive à un moment où quand même il n'y a pas trop de... La question de l'accessibilité à l'animation japonaise, commence à être résolue. On a de plus en plus de distributeurs, de plus en plus de plateformes pour consommer ces films. Je pense à Eurozoom qui fêtait ses 20 ans cette année, par exemple. Et pourtant, bon bah... Voilà, c'est la qualité ne suit pas forcément, ou alors quand la qualité est là, eh bien les gens viennent pas. Les gens se déplacent, ont du mal à se déplacer en tout cas. Enfin, c'est vraiment, c'est pas un problème qui touche que l'animation japonaise, parce qu'il y a beaucoup de films primés, typiquement Funan l'année dernière de Nido, même l'année d'avant, un film sur les Khmers rouges qui a eu un vrai problème de distribution, quand bien même il serait le cristal du meilleur long métrage. Donc est-ce que aussi les distributeurs ne devraient pas davantage soutenir les films primés au festival? Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait une malédiction du cristal d'Annecy, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un cristal, le film il bide en salle. Donc, personne ne veut l'avoir, du coup. Personne ne veut l'avoir, voilà. Donc en 2017, on a eu Loup et Le Sirène en cristal, on était contents, mais c'est sorti en plein été en même temps. Finalement, les Japonais sont contents. Ça peut bien marcher, mais pareil. Là, j'ai peur pour J'ai perdu mon corps, mais après, comme c'est sur une production française, il y aura peut-être plus de gens qui vont y aller. Mais en plus, il a gagné la semaine de la critique à Cannes aussi. J'ai perdu mon corps, il a gagné aussi un prix à Cannes, donc c'est peut-être ça contrebalance cette malédiction dont tu parles. Merci. Messieurs, madame, il fait chaud, on va faire une petite pause, on va s'écouter. Karel, je te laisse nous dire de quoi s'écouter, parce que je ne sais pas. On s'écoute Generations from Exile Tribe, Brand New Story, qui est le thème principal de Ride Your Wave. On est de retour en plateau avec Guignol. Je ne cautionne pas. Un petit changement, Sébastien. Salut. Bonjour. Tu remplaces Elisa. Alors toi, t'étais aussi dans la team Annecy. Oui. Petite forme, mais présence. Donc, petite forme, mais grande présence. Merci beaucoup à toi. Les grands dans cette talent. Deuxième partie, on va parler des choses que vous avez vues, des séances, et on va commencer sans plus tarder par Modeste Heroes du studio Ponoc. Qui veut commencer? Cédric, je te laisse la politesse.
Ah, mais je suis très content, j'adore le studio Ponoc en plus. Et bah oui, on a donc vu en exclusivité mondiale, il me semble, parce que le film n'est pas encore sorti au Japon. On était une séance exclusive. Modest Heroes, donc le film omnibus du studio Ponoc. Donc un omnibus, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sélection de plusieurs courts-métrages assemblés en un long-métrage. Là, il y en avait trois de 30 minutes chacun, avec entre des toutes petites entraques animées qui étaient plutôt mignonnes. Donc on avait trois films. On avait le premier qui était Canini et Canino sur l'histoire de petits-enfants crabes qui devait apprendre à se débrouiller tout seul canini dans la vie. Les borrowers sous l'eau. Voilà, les borrowers sous l'eau et qui ne s'exprimaient que en canini et canino. Et en caca et en toto. Et en caca et en toto. Qui a été chiant. Que toto canini. Qui a été fait par Yone Bayashi, qui est le réalisateur de le réalisateur star du studio, parce qu'il est réalisateur de Arrietty, de Quand Marnie était là, Souvenir de Marnie, et de Marie et la fleur de la sorcière. On a eu un deuxième court métrage, je ne me rappelle plus le titre. C'était enfin un truc sur les œufs. La vie l'emporte toujours. Un truc comme ça. Ah oui. Si tu traduisais le titre, ça donnait ça. Ah oui, et en gros, c'était sur l'histoire d'un enfant qui est allergique aux œufs et donc qui doit vivre avec cet handicap assez grave, parce que le Japon, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, il y a un lobby des œufs énorme. Chez nous, c'est les produits laitiers, là-bas, c'est les œufs. Il y a des œufs partout, donc c'est horrible pour lui. Il doit gérer sa vie d'une nouvelle manière et sa mère aussi doit l'apprendre. Et la troisième histoire, c'était sur un homme invisible qui devient carrément invisible auprès de tout son entourage et qui va peut-être devoir apprendre à changer sa manière de voir les choses, peut-être pour s'accepter, revivre, et voilà. Donc c'était trois très beaux courts-métrages, chacun dans leur genre. Je sais que mes collègues ici présents vont dire qu'il y en a un qu'ils ont préféré parce qu'ils sont un peu putassiers et qu'ils invisible. Aiment bien quand on leur fait des trucs un peu putassiers. Invisible. Mais globalement, Invisible. Le dernier, celui sur la main invisible. Est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il joue avec l'invisibilité du personnage, avec la caméra qui va passer à travers le personnage, littéralement, sur certains plans. Et puis il y a aussi cette idée que non seulement il est invisible, mais aussi il n'a pas de poids. Et du coup, il est toujours obligé de se rattacher à un objet, de porter des vêtements lourds. Et bon, bah forcément, il va devoir se battre contre une tempête et il va y avoir toute une. Il enlève, il est trop fort et tout. Il s'envole en fait. Bah, moi, le problème, c'est juste que c'est un peu trop faible en termes d'histoire. Il y a une très belle idée, une très belle intention, mais c'est trop faible. Je trouvais quand même l'histoire la plus forte, c'est celui du petit allergique qui essayait vraiment de transcender un truc un peu idiot et qu'on aurait du mal à se représenter quand on n'est pas forcément Puis ce genre de terre maladie terre du quotidien. Plus, hein, c'est très terre à terre, mais finalement, c'est quand même. Voilà, quoi, on est sur quelque chose qui touche tout. Et Canino, c'est le plus faible un petit peu. On peut dire c'est plus ou moins le plus faible, mais Yone Bayashi, on va dire, c'est la force tranquille. Donc ouais. Il continue ce que le studio Ghibli avait déjà fait. Bah, c'est vrai, c'est vraiment une extension. Ça aurait pu être très vraiment un court métrage du studio Ghibli dans les années 2000. Quoi. Je pense que une personne qui n'est pas experte dans le sujet, elle confond tout de suite. Hein. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'utilisation de l'eau dans ce court métrage est assez extraordinaire. Je sais pas si c'est de la 3D, mais en tout cas, on courait vraiment à de la véritable. Oh, pour moi, c'était des vrais plans avec de l'eau et qui ont été redessinés dessus. Mais honnêtement. Techniquement, c'est le plus impressionnant parce qu'ils arrivent à parfaitement mêler la 3D, donc notamment pour les poissons et l'eau, et la 2D donc des personnages et de certains décors. Donc du coup, moi, c'est celui qui m'a le plus plu, on va dire, esthétiquement, alors que véritablement, celui qui a une histoire la plus forte, c'est Tamago, parce que c'est quelque chose de tellement simple et pourtant de tellement, comment dire. C'est trivial parce que tu te dis c'est une allergie, mais ça nous rappelle la vie de tous les jours et ça nous concerne tous en fait, et on se dit bah voilà, il y a peut-être quelqu'un dans notre entourage qui est concerné par ce genre de problème et on s'imagine pas le calvaire qu'ils vivent au quotidien. Et surtout, ils le transcendent par l'animation, c'est-à-dire que c'est une histoire qui pourrait pas forcément se raconter en live action, voilà. Parce qu'elle a des procédés qui reposent que sur l'animation pure. Ouais. Très bien. Et un petit clin d'œil à Akira sur la fin. Il n'y a pas eu que Ponoc quand même, même s'ils ont annoncé. Il faut dire aussi qu'on a eu la chance d'être présent à une conférence de presse où ils ont annoncé le fait qu'ils vont participer à un court-métrage, carrément produire un court-métrage pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, et qui ne sera pas sur le sport mais sera sur les valeurs de l'olympisme. Oh. Et bah, l'idée que voilà, les héros modestes, est-ce que c'est pas ça justement les valeurs de l'olympisme, et est-ce que finalement cette trilogie-là nous permettrait pas d'attendre quelque chose autour de ce court-métrage? Dans les autres studios, Damien, est-ce que tu pourrais nous parler du studio Trigger avec Promare? Promare! Ah, Promare! Il a pris l'affiche. Ah là là là, le forceur, quoi. Mais tu le sais que j'adore Imaishi. Mais je le sais. Voilà, fais attention à ton micro. Dans le micro, s'il te plaît. Promare, c'est un film tellement généreux. Au début de l'année, les fans de Dragon Ball ont eu Broly. Moi, j'ai Promare. Voilà. J'ai un film over the top avec des mechas, avec de la baston, ça tabasse. C'est drôle. Tout ce que j'adore. Franchement, c'était. Quelqu'un qui n'est pas fan absolu pourrait contrebalancer ce propos, peut-être Sébastien. Sébastien, défend nos couleurs. Sébastien, on en a longuement Sébastien qui est fan de Gainax, je rappelle. J'adore Gainax et un petit peu aussi le studio Trigger.
Un petit peu. j'ai beaucoup aimé voilà des choses comme Kill la Kill. Bon, peu importe. C'est un animé qui est très généreux pour les fans. C'est un film qui est fait par des fans pour des fans en fait, et qui se regarde un petit peu le nombril par rapport au studio. Mais pour une personne qui n'en attend pas plus, le contrat est rempli. En revanche, en termes de film, c'est un film du renoncement. Le renoncement du scénario, le renoncement de la lisibilité, de la cinématographie. Mais j'ai passé un excellent moment. Je ne dis pas que c'est un mauvais film. Pour moi, c'est vraiment un film expérience qu'il faut aller voir. D'ailleurs, je conseille à tous les gens d'aller le voir en salle. Il sort le 31 juillet. Voilà. C'est vraiment quelque chose où vous en aurez plein les yeux. C'est sûr, on parle pas d'un chef-d'œuvre, mais on parle d'un film qui va soit vous transporter à fond parce que justement il est over the top, soit si vous attendez vraiment à un scénario très, on va dire très rythmé, profond. Non, si vous attendez à un scénario, n'y allez pas. Il faut être honnête. Mais quand même, je trouve que le film réussit. On va pas spoiler de quoi il parle, mais il traite. Il y a une thématique dans son de fond. Il y a un propos qui est inattendu et qui est vraiment intéressant. Ah, inattendu. Attends, on te vend des pompiers contre des exosquelettes qui créent du feu solide rose. On va pas relancer un débat qu'on a eu toute la semaine, mais globalement, il y a un manga. En ce moment, il y a une histoire sur un manga qui a un peu une trame de fond similaire. Donc inattendu me semble fort à propos comme phrase. Mais Charlie, bon. Toi qui n'as pas pu voir ces films, est-ce que toi ça te demande de ce dont on a parlé jusque là? Du coup, moi j'ai vu le trailer et effectivement le truc qui saute aux yeux c'est au niveau de l'animation, c'est incroyable quoi, c'est ultra dynamique, ça te tout de suite, enfin moi clairement tout de suite j'avais envie de le voir et j'étais totalement pris dans l'image. Donc après effectivement s'il y a des faiblesses au niveau du scénario, j'en tire les conclusions après l'avoir vu, mais ça me donne quand même envie de voir le film. Dites-moi, ça m'a fait peur parce que j'avais l'impression que c'était un cache-misère, tu vois, de t'en mettre plein les yeux pour au final peut-être que ça pêche quelque part. Et moi, il y a non, il y a vraiment un propos, il y a un sujet, il y a un scénario quand même. On peut pas dire que c'est creux, oui. Non, mais c'est pas non plus, c'est pas le scénario. Voilà. Le sujet, Cédric. Non, il y a en moins, en revanche, il y a un truc sur Karel, c'est Karel Sébastien l'a dit, c'est quand même beaucoup, il y a beaucoup de scènes illisibles, quoi. Je pense que 30 à 40% du film, on ne comprend rien, donc faut te laisser un peu happé par ce que tu vois, mais si tu essayes de comprendre par une simple narration visuelle, laisse tomber. Prends-toi juste les couleurs et les l'animation et n'essaye pas de comprendre ce qui t'arrive. Et ça me perturbe un peu, mais je peux comprendre. Et j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Juste, je suis obligé d'être un petit geek bougon parce que dans la salle, tout le monde était on fire et je ne peux pas supporter ce fanatisme absolu. Peut-être production plus grand public populaire, Carrel, Toy Story 4. Ah, Toy Story 4, bah oui, parce que j'ai trop ou. Attendu. Alors j'ai eu la chance d'aller voir avant le festival en VF. Du coup, le festival c'était en VO. Comment dire, c'est un vrai Pixar quoi. C'est un vrai bon Toy Story. C'était totalement. Moi j'attendais avec pas mal de réserves quand même. Surtout qu'ils communiquaient à fond sur les gags et pas trop sur le pitch ou sur ce qu'allait raconter vraiment le film. Et pour le coup, on a un vrai bon Pixar, un vrai bon Toy Story. Techniquement, il est assez bluffant. On sent même qu'ils ont dû downgrader certains éléments pour pas créer de vallée dérangeante entre les jouets et le monde réel. Switch édition. Voilà. En revanche, on sent il y a un petit problème avec le film, mais on sent que quand même, bon, Toy Story 3 est sorti il y a 10 ans. Il y a 10 scénaristes crédités sur le film, donc ça veut dire qu'il y en a eu au moins une vingtaine. Il y a eu le départ de John Lasseter, donc il y a eu pas mal de choses à gérer autour de ce film. Et on sent qu'il y a eu beaucoup de réécriture. Et donc beaucoup de personnages et donc beaucoup d'arcs parallèles. Heureusement, ils s'inscrivent tous dans la même thématique qui est est-ce qu'on peut vivre plusieurs fois. C'est vrai que je te vois bouillonner. Non, je bouillonne pas, je l'ai pas encore vu. Mais c'était évident que ça allait être bien. C'est juste que Karel, il a aimé la fin du 3, il voulait pas de suite. Mais moi, c'est Pixar, c'est rare qu'il fasse quelqu'un vraiment d'autre qui l'a se plante, vu quoi. Du plateau, Sébastien. Non, moi je l'ai pas vu. D'accord. Mais moi j'étais d'accord avec Karel à la base, j'avais peur sur le 3. En fait. Je me disais la fin du 3 elle est excellente, pourquoi faire un 4 quoi. Il y avait un autre film de jouets, il me semble, qui était présent ainsi, Playmobil. Playmobil. Ah alors Playmobil, Cédric, tu es resté réveillé pendant tout le film. Oui, c'était le premier jour, on était un peu fatigué. Moi j'ai réussi à tenir, mais Karel il s'est endormi pendant plusieurs scènes et des fois je le voyais se réveiller faire. Il se rendormit. Donc certains gars marchait quand même. Faut croire, hein. Ça marche mais que au réveil. Non, Playmobil, faut être honnête tout de suite, c'est pas transcendant.
mais c'est pas un désastre hein. Mais ouais, c'est pas un désastre du tout, il faut déjà voir les choses. Faut pas le comparer à Lego. Lego se voulait un message un peu méta qui parlait aux adultes, là ça parle que aux enfants, ça ne parlera pas plus loin. Donc si vous êtes si vous avez plus de 20 ans et que ça vous fait chier de voir un film pour enfants, n'allez pas le voir, concrètement ça sert à rien. En revanche, tout ce qui est enfant, famille, je pense que c'est très bien. C'est pas moche du tout, c'est un film qui, mine de rien, c'est un gros budget pour la France, c'est très, très 65 gros millions même. Ouais, 66 millions. Mais ça fait 3 ou 4 fois moins que les Pixar justement, ou d'autres gros films d'animation américains, et il se débrouille très bien, il a aucune honte derrière ce film, et surtout c'est assez plaisant, on passe pas un mauvais moment, il y a un très bon casting de voix américaines, les voix françaises, je crois qu'il y a plusieurs guest stars, dont un Franck Dubosc. Moi ça me va toujours quand il y a Franck Dubosc. Il y a Franck Dubosc qui pique le rôle de Daniel Radcliffe, ouais. Voilà. Ouais. Franck Dubosc qui est le Daniel Radcliffe français. Même registre. Et non, c'est un film vraiment sympa, mais pas non plus mettre la barre au-dessus, mais voilà, c'est très sympathique pour la famille. J'avais un tout petit truc à ajouter sur Toy Story 4, parce que j'ai eu la chance de poser la question à Josh Cooley justement. Qui est. Est-ce que c'est le réalisateur, pardon. Bon, clairement, voilà, Toy Story 4 annonce Toy Story 5. Voilà. Wow, sachez-le. Le teasing. Voilà. Merci Dieu. Ah, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a une scène après le générique qui va rendre les gens contents après avoir vu le film. Bien sûr. Merci. Dans les Work in Progress, après que vous avez pu voir le nouveau Makoto Shinkai de Your Name, est-ce qu'il sera à la hauteur des attentes à votre avis, Sébastien? Je l'ai pas vu. Ça va aller très vite. Bah, disons que c'est un work in progress en présence du producteur qui était là pour dire regardez mon CV, regardez comme je suis cool, regardez comme je suis quelqu'un de gentil. Beaucoup de choses sur le film. Ne soyons pas mauvaise langue. Bah après voilà, si vous avez envie d'en parler davantage, mais ouais. Non mais son CV de toute façon il était impressionnant. Il a quand même travaillé sur tous les derniers Mamoru Hosoda, sur Your Name. Enfin il avait le droit de se la péter un peu. Il réalise du live à côté aussi. Donc ouais, c'est un profil. Il a eu un court métrage live. Il a eu un court métrage live primé nommé à Cannes. Enfin ça va quoi. Il peut. Moi ça va, ça me dérange pas. J'ai hâte d'avoir un gros CV pour faire des conférences juste pour dire regardez. Alors, mon CV est déjà gros. Non mais on a appris que surprise, Shinkai aimait animer l'eau, aimait animer la lumière, aimait faire des beaux décors. Bon, mais en revanche on a eu un message assez. Dans 30 ans il n'y en aura plus. Et c'est un peu de ça dont on va traiter le film d'ailleurs, parce qu'on a eu un message de Makoto Shinkai justement qui témoigne. Bah, il n'a pas pu être là parce qu'il fallait absolument finir le film. Marcel Jean nous avait dit lors de la conférence de presse que le film devait être présenté en sélection à l'origine, mais qu'il n'a pas eu le temps de le terminer. Il n'est pas assez avancé. Donc petit crunch en cours là. Donc on a vu Makoto Shinkai très fatigué à l'écran qui nous disait voilà, ce film, c'est une histoire que je veux raconter maintenant. Il y a 3 ans, j'aurais pas pu le faire. Dans 3 ans, je ne pourrais pas le faire. Tandis, dans 30 ans, il n'aura pu. Voilà. Nandeska. Donc ce film va raconter donc l'histoire d'une jeune fille qui peut. Bah, simplement écarter les nuages et rendre le soleil dans un Tokyo arrosé par la pluie en permanence. Et en gros, ça va être une métaphore de cette génération à qui les baby boomers ont tout pris et qui vont peut-être être capables de reconstruire autre chose. La bande-annonce a laissé voir un peu des coups de feu, des yakuza. Donc le film a l'air un petit peu plus énervé que ce que Shinkai nous a montré jusqu'à maintenant. Donc peut-être qu'il va réussir à transformer ses récits de romance en autre chose. Charlie. J'avais l'impression que c'est quand même tout le truc autour des yakuza, c'est dans la bande annonce, c'est quand même assez marginal et on reste quand même dans le même ton. Mais il y a toujours ce truc du lien, de l'histoire d'amour plus forte que le reste. Et j'ai l'impression que c'est quand même très dans la même veine que Your Name. On verra. Oui, on verra. Moi je sens Shinkai impliqué différemment sur ce projet-là. Donc à voir, il sort cet été, c'est ça? Oui, au Japon il sort cet été. Il avait un mot sur ce projet? Moi je suis très enthousiaste pour Tenkinoko, donc c'est vrai que Your Name, la première fois j'étais pas super emballé, à force de le revoir je me dis qu'il y a quand même beaucoup de trucs à en tirer, et c'est vrai que je suis très intéressé de voir le tournant que prend Shinkai sur ses derniers films, parce que à la base moi les romances ça me saoule, et du coup quand il se met à parler de politique ça m'intéresse un peu plus. Et donc là, ouais, je l'attends au tournant un peu. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Pas mal de films politiques en ce moment. Oui, beaucoup. Au Japon, oui. Dans les autres Work in Progress, il y a Primal. Primal. Tu as Kazuhi sur Smash, c'est ça? Mauvais timing. Est-ce que tu l'as vu celui-là, Sébastien? Alors, oui. Ah ben je t'en prie alors. C'est un orgasme. Voilà. Un orgasme. Ni plus ni moins, Patre. Pour ceux qui savent pas, c'est la nouvelle série de Gendy Tartakovsky qui est réalisée au sein du studio, enfin produite, excusez-moi, au sein du studio La Cachette. Studios français qui ont réalisé notamment quelques cours pour League of Legends. Le seul cours en 2D sur Love, Death and Robots sur Netflix. Exactement, la séquence en 2D de Moon et encore plein d'autres choses, plein d'autres trucs. Bon, on va pas faire leur CV.
On parle d'un, d'une série, 10 épisodes, c'est ça ? 10 épisodes. 10 épisodes, 10 épisodes 22, 13, oui. Ouais, 22, 23 minutes, je sais plus. Non, 20 minutes chacun. Ouais, 20 minutes, autour de 20 minutes, 20 minutes de, dans la homme préhistorique sur un dinosaure qui se fight, sans dialogue. L'histoire a l'air un peu plus profonde, mais globalement lui nous l'a résumé comme ça. Il a dit c'est ce que je voulais faire, j'avais cette image d'un caveman on a dinosaur. On a même eu des passages où il nous a fait écouter ces enregistrements qu'il avait envoyés au studio, et c'était hilarant pour les animatiques quand il narrait justement pour expliquer ce qui se passait à l'image. Il fait les bruitages et tout quand il est là, et hop, c'était très sympa. Faut dire que attention, c'est extrêmement violent. Ouais, c'est-à-dire que c'est des graphismes à la Samurai Jack, mais on parle quand même d'un homme des cavernes qui va arracher une dent à un dinosaure et lui transpercer le crâne. C'est très violent. C'est très violent. Attends, le dinosaure arrache la moitié de la tête de l'autre dinosaure. Bien sûr. C'est très violent, mais par contre, en termes d'animation, c'est le top. C'est magnifique. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. La direction artistique est. Et à tomber, comme il le dit en fait à chaque fois, c'est no blue sky, no green grass. Pas d'herbe verte, pas d'herbe verte, pas de ciel bleu. Voilà. Donc, et surtout, même il y a des techniques. La cachette, par exemple, est très typée manga dans leur manière de travailler. Mm-hmm. Et ils font beaucoup de secondes où c'est d'animation à deux expositions. Ils font des émissions des poses de 5 images en gros. Et Tartakovsky leur a dit est-ce qu'on peut faire deux plutôt. Et donc ils ont dû réapprendre à travailler certains de leurs styles pour avoir un truc plus fluide. Et surtout, un truc, c'est que Tartakovsky. C'est la punchline de la conférence, c'était « Energy must be story ». C'est-à-dire, on a des poses clés, mais lâchez-vous sur les intervalles. Faites des lignes de fuite, faites du flou, déformez le corps, allez-y, éclatez-vous. Et on ressent ça tout de suite, direct, quoi. C'est incroyable. Et le processus de fabrication était super intéressant, puisqu'il n'y avait pas de pack. Parce qu'en fait, quand on fabrique une série, en général, on construit un gros pack à la base avec tous les designs. Ouais. Et là, il n'y avait rien qui était prêt. Ils ont tout construit. Tout s'est fait au fur et à mesure avec la construction des cinématiques. Donc les personnages se sont rajoutés un par un. Donc il y a eu une évolution des personnages. Et donc tout ça a permis en fait au studio de la cachette de rajouter vraiment beaucoup d'eux. Donc gros coup de cœur. Énorme coup de cœur. Pour tout le monde. Hein. Ah oui, clairement. C'est clairement l'un des meilleurs trucs qu'on a vu cette année. Ça va tout défoncer. Et ça sort bientôt en plus. Ouais, sur Cartoon Network, Adult Swim. On pense à Adult Swim. Est-ce que ça va défoncer Promare? Est-ce que ça va défoncer Spices, collaboration franco-chinoise? Est-ce que c'est réussi? Est-ce qu'on peut déjà faire un point sur ce que c'est Spices peut-être? Spices, c'est un film. Donc c'est une production chinoise. Franco-chinoise et qui raconte une histoire dans un monde anthropomorphique d'animaux, l'histoire d'un chat agent secret qui va devoir faire équipe avec une souris rat de laboratoire un peu débonnaire, et en fait ils vont s'intégrer dans un hôpital parce qu'il y aurait un truc caché, et voilà je n'en dis pas plus. Waouh. Et disons que c'est une comédie chinoise qui peinait à se conclure, c'était à la limite de l'enfer du développement, et ils ont été chercher, les Chinois ont été chercher le réalisateur Guillaume Yvernet et Mourier comme script doctor et qui du coup a rajouté des gags, a réécrit certaines scènes, etc. Il a écrit tous les dialogues français. Si on peut rappeler Mourier, donc réalisateur de Nerds, figure emblématique de No Life. Il fait Bad News, qui est très bien. Reçu pour l'émission sur Dorothée. Il est auteur de BD et La Petite Mort, effectivement. Et aussi du dessin animé La Petite Mort. Homme à tout faire. Pour avoir vu pas mal d'animations chinoises, vaut mieux que quelqu'un repasse derrière pour adapter ça au public français, parce qu'il y a des fois il y a des trucs qui passeraient pas du tout. Mais alors c'est réussi ou pas en France? Et justement c'est un peu ce que dit Titouan, le problème c'est que on le sent, l'humour est très chinois, il y a beaucoup de gags, la manière dont c'est narré, dont c'est monté, c'est fait pour un public chinois, et malgré la présence des Français pour un peu alléger, rendre le truc plus potable. Je vous avais prévenu. C'est des fois très problématique, mais David Mourier a quand même fait, enfin ils ont quand même fait un très beau taf pour arranger le truc, les dialogues sont pas dégueux du tout, ils sont très bien, et même Davy nous a dit en off que des fois il a eu dû revenir sur ces trucs parce que les producteurs chinois disaient non, il nous faut quand même ce gag là. Il fait ouais mais ça marche pas, ouais mais il nous le faut quand même. Bon ok d'accord, donc il devait jongler tout le temps. Mais positivement c'est quand même un film qui je pense pourra plaire un peu comme Playmobil, en fait c'est un film qui pourra plaire aux enfants et à la famille, hein. C'est clairement ils ont fait des tests en fait, Orozo nous a dit c'est pas un film fait pour le public d'Annecy mais fait pour le public en général, ils ont fait des tests, séances tests avec des enfants qui étaient tous super contents, qui
rigolez vraiment bien. Donc je pense que le film a une chance de marcher en salle et il faut quand même aller le voir avec vos familles et vos enfants. Très bien, dernier point avant de prendre l'air un petit peu, Eden, la CGI et les Japonais. Alors, Eden, c'est un projet qu'on attendait depuis un moment parce que c'est un projet réalisé par Yasuhiro Irie, qui a quand même signé Fullmetal Alchemist Brotherhood, pas mal de gens du studio Bones qui ont rejoint le projet, donc quand même un truc conséquent, on peut s'attendre à un certain niveau de qualité. Christophe Ferreira à la direction artistique. Christophe Ferreira à la direction artistique, merci. Donc, excellent. Avec des très très beaux décors. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met sur ces décors ? Eh bien, de la 3D. Alors, est-ce que c'est la décision de Netflix qui veut mettre de la 3D pour les Occidentaux ou est-ce que ce sont les Japonais qui, avec l'enveloppe qu'on leur a donnée, veulent marger un maximum en mettant de la CGI qui coûte moins cher ? Toujours est-il que ben, on a des feuilles de personnages avec des designs 2D magnifiques et quand ils sont transmis en 3D, c'est horrible quoi. Ça pique. Enfin, c'est vraiment, je suis désolé pour Netflix, mais c'est pas beau quoi. C'est quoi, c'est la lumière du coup qui. Il y a rien qui va. Le mot de la fin sur ce. C'est décevant. Mais l'histoire elle est cool. Le pitch elle a vraiment très chouette. Le pitch a l'air génial. Donc moi je regarderai uniquement pour l'histoire. Le méchant a un super design. Bon, il sort de Garo, mais à part ça. Et les décors sont exquis. C'est ça, c'est exquis. On nous demande est-ce que c'est une adaptation du manga Eden ? Non, rien à voir. C'est une création originale. Mais moi, ce que je dirais juste pour finir, ce qui est assez inquiétant, c'est que Christophe Ferreira, justement, a dit qu'il s'occupe des décors et de la direction artistique, a été consulté pour l'écriture des épisodes, alors que la série fait 4 fois 20 minutes. C'est-à-dire que. C'est 4 épisodes. Alors que c'est une série que l'équipe avait en tête depuis 10 ans. C'est court. Donc, en 10 ans, vous n'avez pas de quoi remplir 4 épisodes et vous demandez en plus au directeur artistique des idées. Enfin, donc, j'ai très peur pour le contenu du truc. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on va trouver. Très bien, écoutez, merci beaucoup. On va faire une petite pause. On va s'écouter Benjamin et MPI Inferno de Promère et on revient juste après pour parler des tendances. De retour en plateau pour ce grand débrief du Festival d'Annecy. Dernière partie, on va parler conférences et tendances et on va commencer tout de suite avec Disney, petit bougon. Ouais, on va faire très court. Moi, j'ai pas vu toutes les conférences, mais je me suis beaucoup intéressé surtout à Disney Télévision, les programmes séries télé animées de Disney. Il y en a deux qui sont à retenir. La première, c'est Amphibia. C'est une série qui va commencer dès demain, en fait, sur Disney Channel aux États-Unis. Donc, comme d'habitude, très vite en France. Ça raconte l'histoire d'une petite fille, en fait, qui se retrouve téléportée dans un monde d'hommes crapauds où elle va être prise pour un monstre. Et finalement, un crapaud aventurier va se faire ami avec elle. Et ils vont essayer de se. Il va trouver la transporter. Non, c'est surtout. C'est l'inverse, c'est quoi, elle va essayer de revenir dans son monde. C'est un. J'ai oublié le nom là, je vous avoue, comme un ça. Isekai. Je... Non mais. Je parlais du créateur. C'est un ancien animateur sur Gravity Falls. Et ça tombe bien parce que c'est une ancienne animatrice de Gravity Falls qui a fait l'événement avec The Owl House, dont il y avait plusieurs affiches un peu partout dans Annecy. The Owl House, la maison de la chouette. Owl House. Pas Owl House, non. Et Owl House, c'est une nouvelle série qui devrait sortir l'année prochaine. À Annecy, on a profité pour montrer le premier teaser exclusif après plus de 2 ans de production. C'est un projet auquel croit beaucoup Disney Télévision America et qui devrait là aussi raconter l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve dans un monde où la magie existe et elle va devenir un peu l'apprentie d'une sorcière corbeau, une sorcière hibou et de son minion. C'est une espèce de petit dragonneau maléfique et elle veut apprendre la magie alors qu'elle a aucun don pour la magie. Donc voilà, c'est à suivre. Mais Amphibia commence demain et juste pour finir sur Amphibia, Disney a été tellement content de la première saison qu'avant même la diffusion à la télé, ils ont déjà renouvelé pour une deuxième saison. Et ils ont dit qu'ils voulaient intégrer au plus vite les personnages dans leur parc, même à thème. Donc, ils croient très fort au projet. Très bien, merci beaucoup. Du côté de chez DreamWorks, Karel. Du côté de chez DreamWorks, on a vu le nouveau gros film de la maison, à savoir Abominable. On a quand même vu 25 minutes de film, entrecoupé de nombreux commentaires de la réalisatrice. Globalement, on a vu tout le film. Globalement, on a vu tout le film, parce que les 10 dernières minutes, je pense qu'on n'a pas vu. Ouais. Voilà. L'histoire, donc ça se passe en Chine. On suit une petite fille qui va découvrir qu'elle a un Yeti sur son toit et elle va le ramener chez lui, à savoir au Mont Everest. Et donc en fait elle va partir à travers la Chine et en fait c'est une déclaration d'amour à la Chine avec deux amis, un garçon accro aux réseaux sociaux qui va devoir apprendre à s'en détacher et un petit garçon extrêmement agité et qui en fait est un peu l'alter ego humain
du Yeti. Et donc il y a une espèce de cellule familiale qui va se créer autour du Yeti. La réalisatrice nous a beaucoup parlé de son chien comme source d'inspiration pour le Yeti. Ouais, on a eu 10 minutes de keynote avec des photos du chien. C'était assez long. On n'avait rien à foutre, vraiment. Voilà. C'était pareil l'an dernier, on l'a eu aussi. Voilà. Rappelons quand même que c'est une coproduction avec Pearl Studio, qui est un studio chinois. Qui est l'ancien DreamWorks Oriental Animation. C'est ça. Voilà. Et je crois, Damien, l'année dernière, ça laisse entendre qu'ils prenaient un peu plus leur indépendance. Et là, ils reviennent un peu à la maison. J'ai l'impression qu'effectivement, ils reviennent du coup sur une coproduction avec DreamWorks. Parce qu'à la base, ils avaient annoncé plein de projets, notamment avec Glen King, présenté l'an dernier. Ouais, avec quelques projets, notamment avec Netflix. Tout à fait. Et cette année, c'est Silence Radio, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. La conf s'est vraiment accentuée autour de trois trucs. Un court-métrage, Abominable, où on a vu énormément, et les premières images de Troll 2. Troll 2, alors, lequel? Attention. Ah là là, non, Troll 2, suite du dessin animé Troll, sorti il y a maintenant plus de deux ans, qui avait cartonné dans le monde, alors que c'était pas forcément très grand film, mais il y avait visuellement des trucs très sympas. Voilà. Et là, ils sont partis toujours sur la même idée de délire visuel très poussé. Il y a des trucs très... sous acide, ça passe très bien, je pense. Et l'histoire a l'air un peu. L'histoire aussi a l'air sous acide. Globalement, les trolls découvrent qu'il y a d'autres royaumes qui aiment. Parce que les trolls aiment la musique, ils aiment la pop, et ils découvrent qu'il y a d'autres royaumes. Il y a les pop musicaux classiques, les pop hard rock, les pop punk. Et en gros, il y a une espèce de battle qui va se créer tout autour. Donc, je sais pas, mais Karel, qui n'avait jamais rien vu de troll, était charmé. Moi j'étais sur le cul parce qu'il y a One More Time, donc c'est un bon film. C'est affreux. Ça a l'air affreux. Si vous saviez pas que Karel avait des goûts de chiottes. Écoute, il y avait Interstellar en plein air, projection, c'était très bien. Oui. Sébastien, tu sais que tu nous parlais de Sony Pictures peut-être. Oh là là. Vas-y, défonce-les là, je te sens. Non, Sony Pictures Animation, c'est ceux qui. Ça devient officiellement le meilleur studio d'animation des États-Unis. Très loin au-dessus de Pixar, très loin au-dessus de Disney. Dans fort le game. De position, hein. Ah non mais le Hall of Fame. Ah non mais on n'aura pas le temps pour tout dire ce qui se passe. Mais déjà je vais déjà parler de leur chose la plus importante. Ils créent une division Sony Pictures Animation Alternative qui va produire des grosses productions d'animation à destination des adultes. Des films d'animation pour adultes, notamment deux projets de Tartakovsky avec un truc qui ressemble à Black Knight, c'est Dark Souls le film en noir et blanc. Berserk, ouais, ça ressemble vraiment beaucoup à Berserk avec les codes de la KPDP. Voilà. On n'a pas eu d'image du film, mais on peut supputer que c'est en noir et blanc et en 2D. Voilà. Et peut-être interdit au moins 18 ans. Voilà. Et ensuite un autre film qui est comédie qui s'appelle Fixed, qui est la dernière nuit qu'un chien passe en compagnie de ses couilles avant de se faire castrer. Voilà. Putain, mais ça a l'air magnifique. On dirait du pichet. Quoi. Extraordinaire, avec en plus un show produit de stop motion, produit par les gars réalisé plutôt par les gars Robot Chicken. Super Bago, ça s'appelle. Voilà, Super Bago, c'est la stop motion pour adultes, c'est genre. What quoi, genre ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Bah Dark Crystal quoi. Oui non mais d'accord. Et en gros qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Hungry Ghost. Hungry Ghost, oh oui, une série adaptation d'une anthologie de comics sur la cuisine et les fantômes. Ouais. Et chaque épisode avec une DA différente. Ah ça c'est cool. Et avec des méthodes d'animation et différentes. Et ça c'est juste pour leur truc alternatif parce que sur leur line-up principal ils vont réussir à ils ont dit bon on sait qu'on n'est pas Disney, on sait qu'on n'est pas Pixar, on sait qu'on n'est pas DreamWorks. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à chaque film, on va faire une direction artistique différente. Ça veut dire que, ok, on a fait Spider-Man Into the Spider-Verse. Très bien, on va faire une nouvelle DA. Avec là, on a vu un film. The Mitchells vs The Machine. Merci, The Mitchells vs The Machine. Avec. J'ai pris des notes. En 3D. Et les textures qui sont peintes à la main. Ah ouais. Voilà, c'est excellent, vraiment. Moi, j'apprécie beaucoup. Ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais les mecs, au moins, ils prennent position. Ouais. Voilà, ils vous proposent des trucs différents. C'est quand même extraordinaire. Un studio qui va prendre des risques sur chaque film. Alors, bien sûr, il y a Angry Birds 2. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais c'est très beau. Enfin, faut attends, dire. Vous m'avez fait chier avec toutes vos merdes. Vous avez pas dit qu'il y a Angry Birds 2. Il y a quand même dans l'eau, il y a aussi Vivo. Oui, Vivo. Vivo, ah oui. Alors Vivo qui est prévu pour 2020. On va suivre. En fait, ça va être un road movie musical. On va suivre un vieux monsieur et son chat, qui vont faire un voyage de la Havane à Miami. Et ça va être toute une odyssée à travers l'histoire. À travers l'histoire de la musique big band, de la samba et du music hall. Et avec attention, en film d'animation, avec à la direction de la photographie, Roger Deakins.
quand même. Donc, No Country for Old Men, c'est lui. Donc, c'est un très, très, très grand directeur de la photographie. L'imaginer s'attaquer au monde de l'animation avec tout l'univers de latino-américain et les procédés d'animation qui ont servi à faire Spider-Verse, bah, moi, je dis oui, quoi. Enfin, ouais, moi, je veux juste dire, il y a Dracojo qui dit Dark Crystal, c'est stop motion, c'est pas juste des marionnettes. Tu as raison, Dracojo, oui. C'était une blague. Aucun n'a remarqué. Tu vois que mes collègues sont tous des incultes. Prochain point, merci. Non, merci de faire mon travail. C'est d'autres choses que vous vouliez souligner sur Sony. Moi, je peux être scénariste chez eux si vous voulez. T'as de bonnes idées. J'ai encore une dernière chose. Sony Pictures Animation International, projet qui vise à aider les studios dans le monde entier pour fabriquer des films d'animation, que ce soit en Inde, en Chine, en Zimbabwe. Afrique. En Zimbabwe, en France, en Espagne, au Brésil, mieux. Partout, ils vont arriver. Il va y avoir Suriname. Un transfert de compétences qui va s'opérer, et ils vont permettre à des studios de proposer des nouvelles œuvres dans le monde entier. C'est extraordinaire. C'est Netflix en mieux. Quoi. Avant qu'on passe au point suivant, je vois Hollow Knight 573 sur le chat qui demande pour la troisième fois ce qu'on a pensé des hirondelles de Kaboul. Donc je vais vous demander ce que vous avez pensé. Répondez-lui, il en peut plus. Pas vu. D'accord, pas vu. Pas vu. Pas vu. Alors, on était très mauvais sur l'organisation, je dois dire. Ah. C'était ou bien on vous livre des informations qu'on se donne la peine de chercher. Première au Kaboul, à un moment, voilà. Le choix était. Mais, on se donne la peine d'aller au MIFA et d'aller gratter un petit peu des infos, les conférences, tout ça. Soit on va voir les films. Malheureusement, on n'a pas réussi donc à aller voir les hirondelles de Kaboul. Désolé. Sébastien. J'ai eu l'occasion quand même de voir pas mal de minutes du film pour des raisons spécifiques. c'est un très beau film. En tout cas, visuellement, c'est vraiment une réussite. Ça, il y a pas à chier. Les retours sont dithyrambiques également. Après, est-ce que ce film n'aurait pas dû avoir le cristal? Je ne sais pas. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est très content que ce soit J'ai perdu mon corps qui ait eu le cristal. Non, chut. et bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le chat, notamment la débauche qui, je crois, était pas très loin de vous pour ce week-end. Tout à fait. Tout petit point, il y a quand même un dans la division alternative, le reboot des Boondocks. Ah, oui, voilà, oui. Reboot des Boondocks, oui. Avec l'auteur de la bande dessinée de base. Donc on a vu que 3 caras design pour le moment, mais sa promesse a l'air beaucoup plus colorée que la série qu'on avait pu avoir sur M. C'était Edition Thomas, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui lui était à la conférence Netflix, par contre. Tout à fait. Ça, on n'en parlera pas. Ouais. Sébastien, je vais un peu abuser de ta présence en plateau pour que tu nous parles de Bobby Pills. Oh, j'ai la chance de parler de Bobby Pills. C'est moi qui ai la chance de. Oh là là. Bon, bon du coup, déjà. Toujours pas Crazy Sioux. Déjà, non, toujours pas de diffuseur pour Crazy Sioux. Pas de diffuseur. Ça, manifestez-vous vite. Ouais. Saison 2 et 3. Pour Vermine, globalement, je fais un petit pitch rapide. La saison 2, beaucoup plus dark, ça sera un thriller avec un grand méchant contrôlé par un parasite, un peu à la style des fourmis zombies. Les fourmis zombifiées par les champignons. Quoi. Voilà, exactement. La troisième saison, ça sera, on verra Chemou et Mantos séparés, et il y aura un peu plus d'amour, et il y aura encore une fois un grand méchant. Donc, tout ça, ça annonce quand même pas mal de choses. Et on a vu un visuel pour la saison 3 d'un personnage féminin qui est une moule. Voilà, qui est une moule. Avec. Ça va bien, ça va pas bien se passer. Ça, c'est politiquement correct. Vous ne l'aviez pas dit avant l'antenne, ça. qui reprend la scène de Pocahontas, hein, la découverte de Pocahontas. Pour vous dire, c'est assez drôle. D'accord. saison 2 de Pipoudou. Saison 2 de Pipoudou. Donc, Sex Trek, comme nous a dit Balak. Donc. Il n'y a rien de produit, évidemment. En revanche, crowdfunding peut-être à la rentrée. Donc il va falloir être là pour soutenir. Tenez vos sous. Soutenez Pipoudou parce que là j'ai un petit problème dans ma vie actuellement. Il me faut plus d'aventures. D'accord. Il me faut des cours. Donc voilà, ça sera dans la même chose, mais dans l'espace avec un peu. Dans l'espace. Ouais. SF. Bah eux, il a vraiment dit c'est Sex Trek quoi. Il est très fan de Star Trek. Il nous a dit 3 fois Balak et il a dit ça va être Sex Trek. Et le visuel qu'on a vu, il y a Pipoudou en mode. Qu'est-ce que c'est, professeur Lachette ? C'est une comète. C'est globalement, il a un sabre laser en forme de bite. Il est en mode. Ouais. Bon, ça avait l'air très bizarre. J'ai hâte de voir le clin d'œil à Shuma Gorath de l'univers Marvel. Si vous connaissez ce méchant, vous savez de quoi je parle. Voilà. Et je crois qu'il y a d'autres choses aussi chez Bobby Pills. On a vu une animatique de Princesse Apocalypse. Superbe, vraiment. Bon, c'est extraordinaire parce que leur animatique c'est quasiment déjà animé. Donc on a vu quasiment de l'animation. D'accord. Vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que ça raconte l'histoire de Anna, Poupée et Gabriel.
ça Gabriel? Oui, tout à fait. Voilà, Anna qui est une espèce de chauffeur Uber de l'espace. Uber de l'espace qui pour arrondir ses fins de mois fait des courses un petit peu sous le manteau. Et un jour, il s'avère qu'elle transporte un artefact millénaire dangereux qui contient un démon. C'est le cinquième élément. Voilà, et en gros, Poupée, l'idole numéro 1 de l'espace, se retrouve, voilà, je crois qu'elle chope l'artefact et elle se retrouve possédée par un démon, et elle sera toujours protégée par son garde du corps Gabriel, qui peut se transformer en archange grâce à sa bite. Grâce à son protège-couille. Voilà. Ça, c'est un pitch qui te parle, tu vois, non? En fait, ça fait des années que je bosse là-dessus. Mais... le protège-couille, surtout, c'est ça? Oui, ma passion. Moi, j'ai vu toute ta patte dans le protège-couille. Franchement. Non, c'était pas ma patte. S'il vous plaît. Tenue. Non, en fait, c'est pas parce que c'est la dernière. Par contre, on peut voir beaucoup d'images sur le Twitter, notamment de Balak, et allez voir, c'est très sympa. Il nous a dit effectivement qu'il a voulu travailler avec des personnes qu'il connaît de longue date, donc c'est vraiment des amis à lui qui sont très très bons et qu'il allait chercher pour pouvoir travailler avec eux. Ça s'annonce vraiment top. Il n'y a pas de diffuseur. T'as une tête abominable. Mais ça a l'air exceptionnel. Deux autres projets annoncés, Jim Quinn et Nympho. Ça commence par Nympho machin. Bref, c'est deux autres séries. Il y a pas eu plus de détails annoncés dessus. Juste le nom des séries avec les réals. Et un appel à projet. Et l'appel à projet pour un long métrage de film d'horreur. Donc si vous avez un scénario que vous voulez faire développer en long métrage d'animation 2D de film d'horreur. Voilà, ils sont là. Et en dernier, vas-y, c'est le dernier petit dans les choses de Bobby Pills. Alors c'est pas directement Bobby Pills, mais effectivement on a eu des informations sur Last Man saison 2. Mais c'est pas Bobby Pills. C'est pas Bobby Pills, c'est Everybody on Deck, mais effectivement c'est à peu près la même équipe, en tout cas la même bande. Il y aura pas Jérémy Perrin. Ce sera a priori Jérémy Waro. Au niveau du format. Moi je sais rien. Je sais pas si on a le droit de vous dire. On vous en parlera le moment venu plus tard. Karel, parle-nous d'Ankama un petit peu. Alors Ankama, on est allé au MIFA, on est allé les rencontrer et on a revu Thomas Romain, avec qui on a discuté longtemps, au moins 40 minutes. Je dois dire que ça fait plaisir de voir que la maison se remet après Moutafoukaz et Dofus, épisode 1, Julite, qui quand même avait peiné à trouver leur public. On sent que alors que ce sont d'excellents films les deux. Ouais, vraiment c'est vraiment de la qualité. Pour le coup, Thomas Romain nous donne des nouvelles. Je sais pas si vous vous souvenez de son anthologie d'illustration avec ses enfants, où il redessinait les dessins de ses enfants. Eh bien, il a choisi de prendre une série de ces dessins-là et d'en faire carrément une série qui s'appellera Kumos. Donc, on va suivre des petits lutins. Ça va être très contemplatif en CGI. Du coup, il y a tout un plan transmédia autour. Ankama mise beaucoup sur cette série-là. Petite info, moi, dans le livre, je me rappelle de ces personnages. L'enfant qui avait dessiné ça, son plus grand, je crois, disait. Maman, elle aime bien ces dessins-là parce que c'est pas des monstres pour une fois. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il a choisi ça, parce que leur maman, elle a dit bon, bah c'est cela. Une petite série, c'est ça, c'est pas les monstres dégueux. C'est PG-12, quoi, c'est bon. Du coup, c'est lié à No Border, cette histoire? Alors, c'est lié dans la démarche. Dans le développement. Le développement est fait au sein du studio No Border, mais il voudrait. Et effectivement, c'est pour un public japonais, c'est peut-être pas exactement ça. Donc ça serait produit en France et développé par le studio No Border. L'idée, c'est de faire travailler des japonais pour un diffuseur français. En gros, de faire transfuge dans l'autre sens, là où tout le monde veut prendre le guide du retard pour aller au Japon. Donc pourquoi pas, en tout cas c'est très très beau. On a vu une vidéo à la bande son, ce qui nous a montré la vidéo, et à la bande son on va retrouver Yasunori Nishiki. Et qui est ce petit Yasunori Nishiki? Le compositeur d'Octopath Traveler. Voilà, donc le jeune poulain de Square Enix, la révélation en termes de compositeur de l'année dernière, qui fait son trou chez Ankama et sur une série qui pourrait bien, à mon avis, enfin qui a de très très beaux jours devant elle. Si on peut avoir Nishiki sur d'autres productions en Kama, je ne dirais pas non. Juste, je vois sur le chat, il n'y a pas. Nous demande si on a eu des infos sur Mars Express. Alors, moi je peux vous le dire, le long métrage n'est pas encore financé.
Il est toujours en recherche de financement, donc pour l'instant, il n'y a rien qui se lance. Voilà, d'accord. Sur Ankama, est-ce que tu avais deux choses? Alors, on avait Mabel et Merlin, série de Causal, animateur sur Dofus, qui sera une série sur des petites sorcières, avec du Sakuga, de la belle animation. Ouais. Voilà. Beaucoup de choses. On a Princesse Dragon, qui est un long métrage qui est en production, en tout cas qui est en production depuis très longtemps. Serpent de mer. Serpent de mer chez Ankama, et qu'on a vu ressurgir avec un visuel, une affiche. Donc, peut-être des annonces à prévoir autour de ça. Plutôt le studio, on sent qu'il change son fusil d'épaule et qu'il pense ses œuvres en temps pour être diffusées et pas seulement uniquement. Il y a une restructuration, voilà, dans la démarche de la fonction de la production au sein du studio. Merci. On en dira pas plus, mais ça permettra de rendre le studio plus périn. Voilà. Pérenne. Jérémy oui, pérenne, pardon. Ouais, non. Suffit tes blagues. Là, c'était la dernière. Ah, j'ai plus de tickets blagues. Okay. Pérenne. Rapidement, d'autres choses à évoquer. Le truc d'horreur. Oui, alors Bloodbath, j'ai plus le nom complet. Je suis désolé, ça m'est sorti de la tête. Il commence à faire très chaud. Ouais. Puis ça fait deux heures. C'est donc une série de zombies. Et là, je suis désolé, j'ai besoin d'un verre. En fait, il y a plein de monstres. Aide-moi, s'il te plaît. Voilà, il y a plein. En gros. C'est pareil, ça sera une c'est pas pensé pour, je crois, être une série. Hein. Mais ça serait de l'horreur, et donc du coup, ça veut dire pour adultes. Enfin, pas exactement pour adultes, ado-adultes, on va dire. Teenage, je pense. Voilà, plutôt. Et il y aura de tout. Il y aura des tengu, il y aura des zombies, C'est un petit peu, ça regroupe tout l'imaginaire horrifique. Très bien. C'est universel. Avant de faire un tour de table conclusif, est-ce que tu pourrais nous parler, Cédric, rapidement de la Chine et de sa place dans l'animation? Eh bien, très rapidement, la Chine, mine de rien, était le deuxième pays asiatique vraiment mis à l'honneur lors de ce festival. Déjà, on a eu des films chinois, dont celui qui a fait le plus de bruit, c'était White Snake qui est un wuxiapian. Qui parle de la légende, une des plus grandes légendes chinoises qui avait été adaptée, qui est le premier film d'animation japonais. Donc là, c'était une nouvelle mouture. C'est d'année, hein. Ils le refont limite tous les ans. Et là, c'était un film vraiment plutôt sympa. On l'a à peu près tous vu autour de la table, il me semble. Je préviens juste, pour ceux qui le verront, c'est vraiment un KPDP chinois. Donc il repose sur les codes de KPDP chinois. Donc c'est une narration très particulière. Donc il faut vous. C'est pas forcément pour les gosses aussi. C'est pas forcément pour les enfants en plus, effectivement. Ah non, il y a des sous-entendus sexuels assez poussé, et il y a de la violence dans la première scène d'action, des nuques transpercées par des lances quand même. Oui, en premier oui, plan. Oui, oh là là, ouais. mais t'es un peu prout-prout. Moi je suis désolé. Ce qui était intéressant, c'est de voir que souvent la Chine était en arrière-fond sur beaucoup de projets quand on venait quelque part, il y avait. Souvent on nous disait, il y a ce studio là, c'est les Chinois, ils ont bossé dessus. Là il y a un producteur chinois. Là il y a des acteurs chinois qui viennent pour ce truc là. Les animateurs chinois sont venus. Donc la Chine, les animateurs, un peu comme dans n'importe quel domaine, la Chine a une croissance pour l'instant phénoménale. Ils arrivent à tous les niveaux. Tradition esthétique aussi quand même. Oui. Et en plus, l'animation chinoise existe depuis très longtemps. Elle a été, on va pas faire une émission là-dessus, mais elle a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Et s'il y a eu un gros passage à vide, là effectivement, ça revient en force. Après ça s'exporte. Commence à revenir sur quelque chose de à peu près visible, regardable. Voilà. Oui. Dernier mot, Karel. Dernier point sur la Chine, parce qu'il faut quand même parler de Tencent. Tencent est très présent. Sur Sony, je l'ai passé sous silence, mais il y a un petit film qui s'appelle Wish Dragon, qui fait partie du programme international, justement. Donc Sony drague ouvertement les Chinois. Le film est coproduit par Tencent. Et surtout, Away. Et Spark. Et Spark, merci. Et Away a été récompensé aussi parce qu'il met en avant une nouvelle tendance de fond dans l'industrie de l'animation, qui est l'arrivée d'outils de gestion d'images 3D en temps réel. Donc les moteurs de jeux vidéo prennent leur place dans les films d'animation aujourd'hui. On a eu Unity qui a fait une conférence. Oui. Pierre va faire un article plus en détail sur le sujet, donc je vous y renverrai. D'accord. Mais il y a Epic Games qui était présent au MIFA, et j'ai pu poser des questions aux ingénieurs, et ils veulent vraiment prendre leur place dans l'industrie de l'animation et chambouler les modes de production, même des films live. Donc ils veulent être partout. Les Chinois poussent leurs pions. Sébastien, pour conclure. Alors, avant de conclure, je réponds juste au message de Makuba qui dit pas d'argent à propos de, il me semble, de Mars Express. C'est compliqué, c'est pas une histoire de pas d'argent, c'est une question de montage financier. C'est-à-dire qu'un film, c'est compliqué à produire pour diverses raisons. Une question de public, il y a une question de on va dire, pour avoir des aides, etc. Il faut passer par certaines étapes. Et c'est pas une question de pas d'argent, voilà, c'est que ça prend du temps. Il y a certains projets qui mettent parfois 15 ans à pouvoir faire un montage financier correct et exister. Donc
bon, voilà, c'est une chose qui est en train de se faire. Il y a, je pense que ça se fera. C'est pas perdu. Du temps. C'est pas perdu. Très bien. Pour conclure notre long, pas débat, mais récap, pardon, d'Annecy, chacun d'entre vous, vous allez me donner ce que, une dernière chose, une tendance de fond, des choses analysées dont on n'a pas pu parler. Et Karel, je te donnerai la parole quand tu auras enlevé cette horrible casquette. Charlie. Abominable casquette. Charlie, est-ce que toi, à distance, tu as pu. À distance, je dirais, et c'est pas forcément une tendance de fond, mais il y a quand même un certain enthousiasme, je trouve, par rapport à une époque où on a quand même une uniformisation picturale au cinéma, dans l'industrie, en tout cas cinématographique. Le fait de voir qu'il peut y avoir autant de films d'animation différents, que ce soit au niveau de la narration, du type d'histoire, des genres, et surtout du dessin, des procédés d'animation et de production. On a parlé de 3D repeint, on a parlé de 3D tout court, on a parlé de plusieurs procédés d'animation 2D, et à chaque fois c'est très riche, quoi, visuellement. Moi, de l'extérieur, n'ayant vu que des trailers, j'en ai quand même pris, j'ai pris pas mal de claques visuelles, et il y a beaucoup de films que j'ai envie d'aller voir, quoi. Merci. C'est quand même assez rare. Dis-toi. Bah moi je suis assez d'accord, et surtout au niveau des thématiques, je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'on a ça fait plusieurs années déjà que ça change, mais on est de plus en plus dans des thématiques assez graves et beaucoup plus adultes, et progressivement on sent que le vent commence à tourner et qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent, beaucoup plus de monde aussi sur le festival, que ce soit les exposants ou les gens présents. 12 300 accrédités cette année, c'est voilà. Un record. Voilà, donc il y a de plus en plus de monde, et progressivement les gens commencent vraiment à s'intéresser à l'animation, et je pense que c'est... il est temps, voilà. Damien. Moi je suis plutôt d'accord avec ce qui a déjà été dit. Après, du côté de ce qui moi m'intéresse, c'est-à-dire l'animation japonaise, on est nettement sur du recul de la tendance générale, mais les productions qui sont plus originales sont en train de se démarquer beaucoup plus qu'il y a quelques années. Mm-hmm. Peut-être qu'elles vont commencer à percer grâce à des distributeurs comme Orozum ou d'autres. Et j'attends de voir ça, mais il faut que ça bouge, et c'est en train. Sébastien. On est à un tournant de l'histoire de l'animation, clairement. J'avais expliqué déjà en gros le changement de la perception entre guillemets de l'animation au sein du public, et là clairement on est en train de, notamment à cause grâce plutôt aux thématiques adultes, mm-hmm. mais surtout à l'écartement de la violence, parce que on n'a pas besoin d'avoir du sexe, du cul et de la violence pour avoir des thématiques adultes. Mm-hmm. On peut avoir des films comme par exemple J'ai perdu mon corps pour plaire à un public adulte, et donc si des films comme ça peuvent exister et se multiplient, je veux dire, on a aussi Sony Pictures qui se lance dans la danse. Donc clairement, on va peut-être changer définitivement le regard des gens sur l'animation. Très bien, Karel, tu as enlevé ta casquette, tu peux parler. Que dire après ce qui a été dit par Seb. Mon ressenti global sur cette première édition d'Annecy à laquelle je participais, c'est que c'est un festival, faut quand même parler des gens qui travaillent, vraiment génial. On sent qu'il y a une vraie envie de mettre en avant des films qu'on ne peut pas voir ailleurs. Il y a des avant-premières qu'on a pu avoir, des films qui auront peut-être jamais de distributeur chez nous, mais on a la chance d'aller les voir. Donc voilà, travail remarquable au niveau du festival, et je suis vraiment content qu'on ait pu y aller aussi nombreux cette année. Donc le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, en tout cas. Après, moi, je suis très content aussi de la tendance qui a été soulignée par Charlie, par Titouan, par Damien et par Sébastien, c'est que on commence à s'emparer de thématiques importantes, graves, et surtout avec des styles visuels différents. C'est-à-dire qu'on a eu, depuis le début des années 2010, une espèce d'uniformisation en CGI, façon un peu, on gravite un petit peu autour de ce que fait la Reine des Neiges, par exemple, en termes de style visuel. Et là, maintenant, on commence à avoir des choses très, très, très différentes, et surtout des styles qui font sens avec des thématiques qui sont censés illustrer. Et moi, je veux dire, les 5 prochaines années s'annoncent absolument passionnantes pour l'animation. Le mot de la fin te revient, Cédric. Oh bah moi, c'était super, il y a Angry Birds 2 qui va arriver.
Le plus grand. Hey, attends, quand même. On n'a pas parlé du film Steven Universe quand même, donc je te laisse en parler. Oui. Ah, bah oui, alors le mot de la fin pour Steven Universe, ça me semble très, très juste. Steven Universe, qui est une de mes grandes séries coup de cœur, qui est une série qui a changé énormément de choses dans la mentalité dans laquelle on voit les dessins animés pour enfants, qui amènent des messages de tolérance et de respect de soi et des autres. On a eu la chance de rencontrer Rebecca Sugar en interview. On a eu la chance d'assister à un très beau making-of où elle et son producteur Ian nous ont expliqué un peu tout le processus narratif de la série, créatif, comment ils font. Par exemple, les storyboarders sont également les scénaristes. Elle veut que les storyboards font, enfin, que chaque épisode est un peu Steven et une tête différente. Et bref, on n'a pas eu beaucoup plus d'infos. On sait qu'un film est en préparation qui va sortir à l'automne. Il a été annoncé très récemment que ça va être un musical. Il faut savoir que Rebecca Sugar, la créatrice, est une musicienne qui a mis énormément de chansons déjà dans la série. Donc, bah là, ça va être une explosion de chansons. On doit y avoir entre autres Chance the Rapper, voilà, le rappeur préféré de Karel. Voilà. Il y a Patti LuPone qui est une grande star du musical des années 70, 80, 90. Et bref, que dire à part que c'était vraiment fou et que bah du coup, non, Steven Universe, best série ever. Et elle a quand même annoncé pour ceux qui sont vraiment fans de la série, c'est vraiment fini tel qu'on le connaît. Steven Universe n'aura pas de sixième saison. Ce sont des rumeurs. S'il y a des suites, ça sera des nouvelles séries, des nouvelles histoires. Mais Steven Universe, elle a raconté tout ce qu'elle voulait avec. Donc c'est fini. Très bien, merci beaucoup. Et l'année prochaine, le pays à l'honneur, enfin le sous-continent, le continent à l'honneur sera. Alors, ce sont les 60 ans du festival, donc déjà ce sera le festival lui-même qui va se mettre à l'honneur, si mais l'invité. Et l'animation africaine, voilà. De source directe, Marcel Jean nous dit que c'est l'Afrique dans toute sa diversité qui sera mise en avant. Très bien, merci beaucoup à tous pour ce débat dense et très intéressant. On a appris beaucoup de choses pour ceux qui. Pour les animateurs en devenir, j'aimerais vraiment que s'ils voient ce film, ce soit pour eux l'occasion de questionner le regard qu'ils portent sur l'animation. Sur ce qu'ils veulent en faire. Et sur le message qu'ils veulent faire passer à leurs spectateurs. Vous toutes et tous, vous êtes le futur de l'animation. Il faut endosser cette responsabilité. Ce qu'il faut dire aux animateurs, aux jeunes animateurs, c'est de prendre des risques. C'est d'oser. Et de ne pas attendre d'avoir l'autorisation pour faire les choses. S'il vous plaît, raconter des histoires personnelles. Ça ne veut pas dire que ces histoires ne peuvent pas être humoristiques, de la fantasy, de la science-fiction ou des comédies, mais il faut que le cœur de ce que vous êtes fasse toujours partie intégrante de votre travail. Puisez là-dedans et explorez le plus tôt possible, que ça infuse tout ce que vous faites. Pour ma part, j'adore rencontrer des gens à travers leurs bandes dessinées et leur animation. L'animation est pour moi la meilleure façon de transmettre des émotions. À toutes celles et ceux qui veulent travailler dans l'animation ou dans la BD, je suis impatiente de vous rencontrer à travers votre travail. Je veux savoir qui vous êtes. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop and Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.